بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث نميرو 200 الحمد لله Alors, ce hadith-là, il est un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre-là, il y a un seul hadith. Mais ce hadith-là même, il est suffisant, il est tellement effrayant. Alors, chapitre-là, ce titre, c'est « Babu taghlidhi uqubati man amara bima'roufin au naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'la ». Un chapitre-là, qui, quand c'était sévère, azab, punition était le anjimun qui lui donne un bien, et lui empêche un mal, mais seulement... Ce qu'il y fait, il pas suivre ce qu'il y dit. Ça veut dire qu'il fait le contraire. Il donne le bien, c'est mal, il pas fait. Il empêche le mal, c'est mal, il pas reste loin depuis sa mal. Alors, quelques bonnes ayats du Coran, de ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans sourate Baqara, « Ata'muruna an-nasa bil-birri, wa tansawna anfusakum wa antum tatlouna al-kitab, afala ta'aqiloun » Est-ce qui je donne bandimoun l'autre pour faire le bien, al-birri وَتَنْسَوْنَا أَنْفُسَكُمْ Après, vous oubliez vous-même. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ Alors qu'ils autres, vous pouvez lire le livre, vous pouvez réciter le livre. Ça veut dire, vous connaissez très bien le kitab. Ça veut dire, je ne sais pas pourquoi dire qu'ils ne connaissent pas, vous connaissez bien. تَتْلُونَ الْكِتَابِ Et il y a référence là-dedans à Ban, Ahl al-Kitab, ça veut dire Ban, qui suivent la Taurat ou l'Injil. Vous connaissez très bien et je te donne du monde pour faire le bien. Mettez dans le livre qui peut dire, bien faire ça. Il était dans le livre qui peut dire, eh bien, pas faire ça. Seulement, watansauna anfusakum. Je t'oublie eux-mêmes. Et donc, nous retrouvons là-dedans sa dicton. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Alors, il est bien vrai dans beaucoup de cas, surtout dans le cas de ban clergé, même dans la religion musulmane. Afala ta'qiloun, est-ce qu'ils ont peine à l'esprit? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé? L'autre ayat Coran, ce qui nous fait entendre dans sourate As-Saff, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, lima taquluna ma la taf'aloun » Ô banjimun kena iman, qui fait je dire ce qui je ne pas faire ?« Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la ta'lamun » Il y a une abomination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kabura maqtan, ça veut dire al-maqt, le fin grand auprès d'Allah. Maqt, ben, on l'a même expliqué, les plus grands qui al-bourd, ça veut dire le détester, les plus graves qui détestaient. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, les détestait beaucoup même. Qu'ils a fait? Antakoulou ma la tafa'aloun. Qui je te dis en quelque chose qui je te même je te pas faire. Alors là, il y a des affaires, ben, on l'a même expliqué, ben, qui fait tafsir. Et il y a un, c'est qui un djimoun lui donne une promesse, il n'a pas respecté sa promesse. Avec un autre quelque chose, c'est qui un djimoun quand il fait, il lui donne le bien, mais il n'a pas fait le bien là. Et il lui empêche le mal, mais il trempe dans le mal là. Wa qala ta'ala, ikhbaran an shu'aybin, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Imam al-Nawawi dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant le prophète Shu'ayb, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous retrouvons ça terme-là ici, sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire parce qu'il y a un ulama qui n'explique, je ne mentionne ça. Ou soit alayhi salam, alors alayhi wa ala nabiyina wa ala sa'ir al-anbiya, salatu wa salam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qui fait salam, sallu ala al-anbiya, fa innahum ursilu kama ursiltu. Fait darut salam, l'oban ambiya, l'oban les autres prophètes, parce qu'ils ont si j'ai fini envoyé, comme un maman fini être envoyé, comme un prophète, comme un messager. Donc nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, ou ça nous dire, alayhi assalam. Donc Shu'aib, alayhi salam, l'itien, prophète, et Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire concernant lui, qu'il indique, wa ma uridu, la ayat Quran, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Moi, pas envie, comment dire, ukhalifakum, faire les contraires de ce qu'ils m'ont dit à eux. Moi, pas envie de faire les contraires, depuis le fait qu'ils m'ont fini empêche eux de faire quelque chose. Ça veut dire, moi, pas envie, quand on empêche eux de faire quelque chose, moi, le fais aller. Ce qui nous comprend dans sa manière de Coran là, c'est qu'Allah peut mettre en garde, et il peut donner l'exemple, qu'on n'a pas fait les contraires de ce qu'il ou la bouche peut dire. Quand la bouche peut dire quelque chose,
sa dimon la li bizan comment anglais dit stand by his words ce qui que cela bouche na aller la ben yete ce qui cela bouche dire sur l'écho et sur ban action li assume ce qui cela bouche dire li suivre ce qui cela bouche dire par la bouche indienne affaire l'écho et cliquer in allen l'autre affaire ça c'est un signe d'hypocrisie et ban ulama explique dans sa ban explication là je donne hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un hypocrite sur un signe, c'est trois. Quand il fait une promesse, il casse sa promesse. Quand il cause menti, ça veut dire qu'il est sur action parmi là-dedans, parmi les mensonges, c'est qu'il est sur action, il est contraire de sa parole. Et quand il cause, il fait polémique, il discute beaucoup. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, fais-nous pas vivre parmi ces bandits-là. Alors, hadith, donc, hadith numéro 100, wa'an. أبي زيد أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما حديث rapporté par un sahabi qui appelle Usama ibn Zayd nous déjà trouvé dans un hadith précédent et Zayd ibn Haritha ce garçon nous connaît Zayd ibn Haritha c'est lui la même qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui prend lui il est venu comme esclave Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il donne sa liberté il garde dans la case à tel point qu'il dit mon type appelle lui garçon de Rasulullah ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, la fin arrive l'événement avec Sayyidatuna Zainab, tout ça. Là, il finit marié avec lui, il finit divorcé. Là, la fin fait l'éclair qui n'est pas garçon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Usama ibn Zayd, ce garçon. Donc là, nous avons un garçon là qui est sahabi. Papa là aussi sahabi. Et il y a certains, ben, ulama, dire qui dada là aussi qui est sahabi. Ce dada, ça veut dire. Zayd ibn Haritha, son papa aussi, si, sahabi. Et il y a une divergence là, mais ce que nous trouvons, c'est qu'il raoui là avec son papa sahabi, radiyallahu anhuma. Donc, il dit, Sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Bufintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Yu'ta birrajuli yawm al-qiyama. Pour venir avec un djimoun yawm al-qiyama. Al-rajul ici, c'est un monsieur. Mais ben, l'ulama a expliqué qu'il représente insan, comment dire. Sa monsieur-là, il peut représenter djimoun. Hein. Ça veut dire, pas juste un djimoun qui pour là-dedans, mais un warning à tout ban djimoun, attention. Fayulqa finnar. Pour prendre djimoun-là, vous êtes dans le fait. Fatandaliku aqtabu batnihi. Et tout ce ban parti qui est là pour faire avec l'intestin. Sur l'intestin entier en dents pour sortir depuis de sur les corps et comment dire pour traîner en bas sur l'intestin pour sortir depuis de sur les corps pour traîner en bas ça veut dire les pannes détachées avec lili il est encore attaché avec sur les corps c'est mal ici une sortie peut traîner fa yaduru biha kama yaduru al-himaru fi ar-raha il peut prendre ça il peut tourner comme ça avec ça ça veut dire il peut marcher dans un cercle. Comment, pareil, comment un bourrique, il peut tourner autour d'un, ça quelque chose qui je te fais pour craser la graine là. Vous connaissez, il y a une banne rose, il y a un lac au milieu, alors sa rose là, il tourne, quand il tourne, il tourne, un rose tourne l'eau, un rose, là, il crase la graine en bas. Ou ça, servit aussi pour tourner un autre engin, pour si pas faire de l'eau monter, ben, je vais faire comme ça. Normalement, ben, du monde fait ça, mais il est difficile. Alors, je t'attache un bourrique ou sur un vase, ou sur un bœuf avec lui, je te fais limosser, là, il tourner pour faire ce travail-là. Alors, ça dit monde là, avec son intestin qui peut traîner par derrière, il peut tourner comme ça, pareil comme un bourrique peut tourner. Alors, il y a un ulama mentionné qu'il peut tourner par humiliation, et il peut tourner aussi peut-être par douleur, qu'il n'est pas peut caresser en place. De toute façon, il est dans 10 faits, là. Et donc, ça, c'est, sévérité, punition, qui l'a au monde là. Qui Allah protège nous. Alors, fayajtami'u ilayhi ahlun nar. Ban djimoun dans Jahannam pour venir autour lui comme ça. Fayakouloun, et je te peux dire, ya fulan. Ça veut dire qui ban djimoun dans Jahannam ça? Ban djimoun qui t'y connaît lui. Ban djimoun pour reconnaître, ya oumoun qiyama. Relation qui je tiens dans Dunya, ban connaissance qui tiens. Djimoun pour reconnaître. Alors, je peux dire lui, ya fulan, oh un tel. Ça veut dire, peut-être, je peux appeler lui par son nom. Oh, un tel. Malak, qu'arrive-toi? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha anil munkar. Est-ce qu'il te participe ou donne le bien, toi? Tu peux empêcher le mal? Tu peux dire, nous, faire ça, pas faire ça.
Fayaqul, et il pourrait répondre, il pourrait dire, Bala, il dit oui, certainement. Et là, il y a une vérité qui peut dire là. Pena l'hypocrisie, pena fausseté, pena tout ça là. Il y a une vérité qui peut causer là. Même celui qui est zalim, même celui qui habite cause menti, yaumul qiyama, ça va dans l'instance là, et il y a la vérité qui peut sortir. Donc, il dit oui, certainement. Kuntu amuru bil ma'ruf, wala atihi. Moi, je donne le bien. Mais c'est moi, mon parti peut faire lui. Wa anha anil munkari wa atihi. Et moi, tu empêche le mal, et moi, mon parti peut faire lui. Moi, tu empêche faire le mal, alors que moi, mon parti peut faire lui. Moi, tu rentre dans le mal. Alors, ça, c'est un warning, il est assez effrayant. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, qu'il nous pas rentre dans sa catégorie-là. Nous trouvons hier, avec Ban, le jour avant, qui al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, il n'y a pas une option. Il y a une nécessité pour nous. Et en même temps, c'est là nous peut trouver que quand nous pouvons faire l'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, nous pouvons suivre ce que nos paroles peuvent dire. Alors, nous ne pouvons pas faire le contraire. Donc, définitivement, si un dimon peut faire le contraire, il peut être un hypocrite. Quand sa parole peut diverger avec ce qu'il y a sur lesquels, sa parole peut diverger avec ce qu'il y a dans son action. Quand un dimon, il peut ordonner le bien, il peut empêcher le mal. Premier dimon qui peut tendre, ce qu'il peut dire, c'est lui-même. Alors, ça applique le lui-même avant. Quand un dimon peut ordonner le bien, peut empêcher le mal, il peut aider lui-même pour venir plus sérieux, il peut aider lui-même dans la droiture, il peut aider lui-même dans l'istiqama. Il peut dire lui-même, ben, qu'est-ce que ça, moi, peut dire, dimon, fais ça, moi, pas qu'à pas faire lui-même. Quand un parent, par exemple, est sur la case, papa là, peut ordonner son garçon pour faire namaz, il n'est pas pour qu'à pas faire namaz, lui. Le garçon là, pas pour faire sinon. S'il est en amas, il peut dormir, mais garçon là, comment pour lever? Alors, il est supposé faire l'exemple lui-même. Il est pareil pour n'importe qui s'en là, vis-à-vis un camarade, vis-à-vis, ben, dimon dans la société. Alors, quand un dimon, il peut faire al-amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar, ça, il a fait lui-même avant. Il vous pose lui-même question. Mais moi qui arrive, moi, est-ce qu'il m'a pas pu faire ça? Et ça, moi-même, moi, peut dire à dimon, faire ça. Est-ce qu'il m'a pas pu faire lui-même? Moi-même, moi, peut warning dimon contre ça. Est-ce qu'il m'a même pu tomber là-dedans? Donc ça, premier quelque chose qui est arrivé, premier bénéfice, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Parce que là, si un dimon pas gagne sa bénéfice là, c'est qu'il a une maladie dans lui. Il peut besoin de son maladie, il peut besoin de soigner son maladie. Parce que là, il y en a beaucoup, nous pouvons trouver dans un peuple avant, et il y en a beaucoup, malheureusement, dans nous, communauté aussi, un dimon qui, pour gagner, réputation auprès de un dimon, pour une famous auprès de Bandimoun, pour gagner une faveur auprès de Bandimoun, ou soit pour jouir une position auprès de Bandimoun, je déclare, peut faire al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Déclare être un homme religieux, déclare être un dimoun sérieux, alors qu'en vérité, je ne suis pas comme ça. Divan dimoun pour faire bonnes affaires, pour faire bien, pour faire, surtout si dimoun là, il a bonne qualité, côté là, il pour démontrer sur une qualité devant tout le monde, comme un dimon religieux, mais en vérité, il n'est pas comme ça à l'intérieur. Là qui nous peut trouver, là nous peut trouver qui tout gâté. Ça dimon là, il y a un dimon qui peut suivre lui aussi pour gâter parce qu'il y a un déphasage, puis il y a un barakat là-dedans. Et une autre affaire nous trouver encore, c'est qui quand un dimon, il peut cause, il peut faire al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, et ça va faire l'effet. Il peut causer, il ne peut pas causer, ça ne peut pas faire l'effet. Ça ne peut pas tous les cœurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sincérité là-dedans. Ce qu'il peut dire là, lui-même, il ne peut pas croire là-dedans, ou soit ce qu'il peut dire là, lui-même, il ne peut pas faire, lui-même, il ne peut pas pratiquer. Ça, c'est un signe. À cause de ça, vous trouvez dans beaucoup de monde, beaucoup de monde, j'étais dans l'audience extraordinaire, beaucoup de monde écoute d'autres, mais seulement à l'écoute d'autres, juste pour gagner une maza dans les oreilles, comment dire, juste pour sensation. Au content, écoute-lui, ça veut dire, on l'a, il met bon dialogue, comment dire, où, hein. Comment dire, il est là-bas, pour entertain, pour ce moment-là, après fini. Dis-moi, l'un retourne, pour 10, 15, 20, banane, il peut écouter, dis-moi, là, c'est moi, ça pas fini de faire, non, il est sur la vie. Il n'est pas un sens, non, il n'est pas fini, non, un changement de sur la vie. Alors, comme ça même, il y a un riwayat raconté qui, il y a madame, il amène ses enfants, côté un chef. J'ai dit, cher, vous connaissez les enfants là, il y en a tel défaut, il est content de manger des affaires qui n'est pas bon pour la santé. Mais cause avec Lienko. Alors, c'est que là, j'ai dit, passer la semaine prochaine. Maman là, qui pouvait faire l'inamène, retourner la semaine prochaine, là, chez Lienko, j'ai les enfants là, ils ont arrêté.
Et à un moment là, je me dis, mais qui fait la semaine dernière? Où tu as fini faire? Il dit, non, mais la semaine dernière, moi ici, moi, je suis content, moi, on sait qu'il mange là. Comment mon cas, je n'ai pas mangé ça quand mon corps peut manger? Il dit, moi, je prends une semaine pour déshabituer moi avec ça. Un autre riwayat encore, c'est d'être grand. Cheikh lui, quand il fait khutbah, tout ça là, dans le Jumma, ça a tellement fait l'effet, là, du monde, qu'il dit, moi, applique ça de suite. Et tu es réputé pour ça. Alors, tu es un esclave, tu as envie de gagner sa liberté. Et comme on nous connaît dans Din, Rasoul Zansalam, il montre nous qui quantité est la valeur, qui quantité est vertueux, ça, quand vous libérez un esclave, nous n'en disons pas sur liberté. Alors, il y a un gars de ça, Cheikh, là, il dit, Cheikh, moi, j'ai envie de me mettre libéré, moi. Mais, explique à un tigin, là, qui te fait ça pour faire l'effet, là, lui. Alors, quand ils sont là, ils sont allés, t'as dit, moi, ils peuvent attendre qu'ils cherchent pour cause, là, Cheikh, pas causé. Ils continuent à aller, Cheikh, pas causé. Après un an, qui s'achète là, fait une bayane, là, libère esclave. Là, tout de suite, son patron, ça ne fait l'effet, là, comme à l'évine la case, il libère. Mais il a envie de connaître qui fait, il attend un an. Il a le chef. Là, le chef, il explique lui qui, il appartient à beaucoup moyen. Donc, il prend un an pour ramasser sur leurs ans. Quand il gagne suffisamment après un an pour lui libérer un esclave, parce qu'il coûte cher pour libérer un esclave, là, il a libéré un esclave. Il a acheté un esclave, il a libéré. Là, il a fait ce bayan. Comme ça, il a aussi une pratique, il a fini pratique ce qu'il a pu dire, il a fait là. Il a fini pratique lui avant lui. Là, il a dit, il n'a pas envie, il a dit, voilà, il est bon pour faire telles affaires, c'est mal, il a jamais fait. Pourtant, il s'est excusé, il n'a pas moyen pour libérer un esclave. Il a dit, ben, il n'a pas moyen, là, pendant moi, si moi, je suis là, moi, je peux libérer. Mais il prend un an pour ramasser cela. Alors, ça ne fait l'effet de suite. Alors, comme ça, nous trouvons, une fois, beaucoup de monde ne pas gagner peine à hidayat, comme on dit, malgré sa quantité qu'il peut écouter là, parce que, bien souvent, ce qu'il peut dire, l'in vient juste pour la forme, juste pour, comme on dit, galvaniser l'audience. Nous gagnons un beau parleur, un monde qui est éloquent, mais seulement à l'intérieur, peine à sincérité. Alors, il faudrait qu'il message là, il vienne depuis les cœurs, et il faudrait qu'il touche les cœurs. De là, il peut, et dans les faits. Alors, nous faisons droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on nous fait droit hier, qu'il lui donne nous tawfiq, vienne parmi, Manjimoun qui prend sa responsabilité. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sinon, pour n'arriver pas, nous finissons trouver. Mais en même temps, c'est-à-dire, qu'il n'y pas fait nous, vienne parmi Manjimoun qui peut ordonner quelque chose qui n'est pas fait lui. Et qui peut empêcher Jimoun de faire quelque chose, mais qui fait lui. Alors, nous, une faiblesse, il ne faudrait pas nous sentir qu'il nous manque trop bon Jimoun. Il est trop facile pour tomber là-dedans. Alors, il ne faudrait pas nous sentir qu'il nous va beaucoup à tomber là-dedans, nous faibles. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne nous tawfiq, pas sur Rahmat. Lui donne nous tawfiq, pour pas venir parmi ça, un hypocrite là. Pour pas venir parmi un Jimoun qui dit quelque chose qui fait le contraire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous des punitions de Jahannam. Protège-nous depuis Jahannam et qu'il y fait nous, qu'il y donne nous Jannat sans qu'il nous besoin rendre compte ensemble avec Banjimon qu'il y content. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.